Kenora Malagré, l'endométriose lui a causé des crises à l'époque de TPMP. La première fois qu'elle a osé parler de son endométriose, c'était sur le plateau de TPMP en février 2017. Kenora Malagré participa à présent à un documentaire pour lever le tabou sur cette maladie. Avant sa diffusion sur TVA, la blonde s'est confiée ce 7 mars sur Europe 1. En France, l'endométriose touche une femme sur 10, soit plus de 4 millions de Françaises, et pourtant cette maladie est encore méconnue du grand public. Grâce à l'actrice Laetitia Milo, la sensibilisation a commencé il y a quelques années. Mais tandis que la star de Plus belle, la vie a enfin réussi à tomber enceinte, elle trouve en Kenora Malagré, le meilleur relais. On ne peut pas tenir debout. L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste en est également atteinte depuis l'âge de 30 ans. Dans une interview donnée à Europe 1, ce 7 mars, la blonde a expliqué qu'elle avait fait de nombreuses crises pendant l'émission de C8. Elle a assuré à Philippe Vandel, « Ça m'est arrivé de faire des crises d'hystérie tant la douleur était ingérable ou de tomber dans les pommes. » Et d'ajouter, « C'est insupportable, on ne peut pas tenir debout. » Les femmes ont honte. Et les hommes sont gênés. Aujourd'hui, l'ex de Cup Killy déplore tout ce qui tourne autour de l'organe féminin, autour de l'utérus, du vagin, c'est compliqué d'en parler. Les gens n'osent pas, les femmes ont honte. Et les hommes sont gênés. Maintenant qu'elle a rendu public son combat, elle souhaite encourager toutes les femmes à se faire dépister.